les tentes MSR ou Batour, une ou deux places, sont un véritable refuge pour vos randonnées, trekking et autres voyages en pleine nature. Légères, 2,32 kg pour le modèle une place et 2,74 kg pour la deux places, elles sont géniales pour un long week-end à la montagne ou un voyage autour du monde. Avec les tentes ou Batour, vous êtes bien à l'abri ainsi que votre matériel. La structure se monte avant la toile. Celle-ci se fixe ensuite sous la structure qui reste à l'extérieur, ce qui laisse l'intérieur au sec pendant le montage. Plus large et plus longue que la plupart des tentes de bivouac, les Batour offrent un bel espace pour les campeurs et pour le matériel. La spécificité de cette tente est l'espace de stockage intégré pour votre matériel. Il vous permet de caser bien à l'abri tous vos bagages, même les plus volumineux. L'auvent a son propre tapis de sol qui isole de l'humidité et garde votre matériel au sec. Il sert en outre de zone de transition avant d'entrer dans la chambre. Bien organisé dans des grandes poches ou suspendu à des accroches, votre matériel est toujours bien rangé. L'ouverture principale de l'auvent est grande et pratique. Une deuxième entrée, présente dans le modèle deux places, offre un accès direct à la chambre. Les tentes ou Batour se montent vite et facilement, bien appréciables après une longue journée de randonnée. Pour la montée, posez la tente au sol, idéalement par-dessus un tapis de sol supplémentaire, et tendez-la au maximum à l'aide des piquets. Insérez les arceaux dans les œillets, puis attachez la toile de tente à l'aide des clips. Introduire ensuite l'arceau de l'auvent dans le fourreau rouge, puis insérer les extrémités dans les œillets. L'auvent doit être bien tendu pour que la toile soit la plus lisse et régulière possible. La tente deux places ou Batour dispose d'un passant à l'arrière pour retendre la toile en cas de pluie ou de vent. Les nombreux haubans présents dans les deux modèles permettent de bien résister aux intempéries. La toile extérieure ayant tendance à se détendre par temps humide ou pluvieux, pensez à réajuster la tension de votre tente de temps en temps. Les tentes ou Batour se démontent et se rangent facilement au moment de partir. Vous éviterez moisissures et ruptures d'étanchéité en conservant votre tente au sec. Repliez votre tente une fois sèche et sans la comprimer, comme un sac de couchage. Si vous y prenez soin, votre tente ou Batour vous accompagnera longtemps pour de passionnants voyages.